une image digne d'une carte postale. Une belle vue, un cadre pittoresque. Le centre aéré des armées de Guerrero souhaite la bienvenue aux visiteurs. Un centre gracieusement mis à la disposition du ministère de la Santé par l'armée dans le cadre de la riposte contre le COVID-19. Cela illustre le thème qui a été celui du 4 avril, c'est la contribution de nos armées dans la santé de nos populations. Voilà encore une fois l'illustration qui en est faite. Le centre s'étend sur une superficie de plus de 37 hectares et jouit presque de toutes les commodités. Nous avons 4 VIP familiales. Les VIP familiales, on peut dire que c'est des maisons. Il y a 2 niveaux. En bas, il y a le salon, une cuisine, une toilette des visiteurs. En haut, il y a 3 chambres. Il y a la chambre des parents et 2 chambres pour les enfants. Chaque chambre est équipée d'une toilette intérieure. Après les VIP familiales, nous avons ce qu'on appelle les VIP individuels. C'est en sorte de studio qui a un salon plus une chambre à coucher et une cuisine. Après les VIP individuels, nous avons ce qu'on appelle les cases à double. Les cases à double, c'est des bâtiments singles. C'est des bâtiments où on loge des personnes individuellement. Chaque case à double, il y a 2 chambres. Donc, ce qui fait en tout 20 chambres pour 10 cases à double. Après les cases à double, nous avons ce qu'on appelle les cases à 8. On les appelle les cases à 8, pourquoi? Parce qu'il y a 8 chambres. 4 chambres au rez-de-chaussée et 4 chambres au premier étage. Et pour plus de sécurité, d'autres aménagements sont en cours de réalisation par les équipes du ministère. Ici, on joue la carte de la prudence. Et le personnel soignant est toujours en épi. Donc, au sortir de la zone rouge, ils sont obligés de se désinfecter, de se déshabiller. Donc, raison pour laquelle on a installé notre zone de déshabillage ici. Donc, le personnel soignant, de même que le malade guéri. Mais une précision s'impose. Ce centre est exclusivement dédié à une catégorie de personnes appelées les sujets asymptomatiques. C'est les personnes qui ont été diagnostiquées positives, mais qui ne présentent aucun signe, ni de maux de tête, ni de dyspnée. Ce sont des personnes qui vont être mises en observation au niveau du centre, mais mises en observation et suivies par du personnel de santé qualifié. Et cela me permet aussi de dire que la question de la prise en charge extra-hospitalière ne signifie pas que les malades diagnostiqués positifs vont être laissés dans leur maison. Toutes les dispositions sont prises pour accueillir et héberger les premiers occupants dans de bonnes conditions. Ils sont d'ailleurs attendus au centre dans 48 heures à côté du Grand Bleu, où ils seront sans doute bercés par les vagues du soir.